Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 16 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, pensez de ce 16 août des mots d'amour sur des post-it. Écrire des petits mots sur des post-it et les poser de ci, de là, dans la maison, à l'attention de celui ou celle que l'on aime. 1. Je t'aime. Collé sur la porte du réfrigérateur. 1. Je te souhaite une belle journée. Près du lieu où il ou elle pose ses clés. 1. Cœur. Collé sur le miroir de la salle de bain. Agrémenter ainsi la vie et bien de douceur qui renforce l'amour. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Il faut le faire. Et c'est vrai que ça renforce l'amour. Très belle philosophie, n'est-ce pas? Et pour terminer, eh bien, j'ai pigé pour aujourd'hui Luciole, émerveillement. Alors, les Lucioles. C'est beau, les Lucioles. J'adore les Lucioles. Les Lucioles saupoudrent de magie et de merveilleux des moments plus banals, comme des soirs où vous sortez bien la poubelle, ou encore que vous rentrez tard du travail. Eh bien, la vision fugitive de ces petites lumières féeriques suffit pour retrouver votre âme, votre âme d'enfant. Pourquoi pas vous laisser guider par votre imagination en explorant, eh bien, des projets créatifs ou de nouvelles façons d'aborder les tâches routinières. On croit souvent, n'est-ce pas, que la créativité n'est réservée qu'à certaines personnes. Mais ce pouvoir, eh bien, dites-vous qu'il est accessible à tous, n'est-ce pas? Vous vous sous-estimez peut-être, peut-être par manque de confiance en vous. Alors pourquoi pas prendre des cours, par exemple des cours de peinture, de cuisine, ou encore créer quelque chose pour votre propre plaisir. Alors soyez inspirés de toutes les manières possibles. Par contre, cette carte, elle vous incite aussi à ouvrir l'œil. L'univers cherche à vous transmettre de nouvelles idées ou fait jaillir des éclairs d'inspiration sur votre route. Ça peut être au point de vue familial, sentimental, professionnel, personnel. Voilà, l'univers est en train de mettre sur votre chemin des nouvelles idées. Et on vous invite à noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ne soyez pas surpris si vos réalisations sont remarquées. Que cela vous motive, n'est-ce pas? Et continuez à faire de vos créations une source magique de bonheur. Pourquoi pas vous exprimer aussi par le biais d'activités créatives ou artistiques? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des difficultés à vous exprimer. Eh bien, la créativité est une bonne solution, n'est-ce pas? Et pourquoi pas retrouver votre âme d'enfant? Et pourquoi pas de vous émerveiller de toutes ces petites choses qui vous entourent?
Quel beau message positif, n'est-ce pas, pour terminer cette semaine. Et je termine avec le petit oracle des couleurs. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Eh bien, comme les lucioles, pleine de lumière. Eh bien, mon essence profonde et lumineuse et pure. Beau message pour terminer cette semaine. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, un très très joli week-end dans le rire, l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, l'empathie. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous dis à très, très, très vite.